Catherine Monnery, also Madame la Directrice du, the Director of the Air Museum at here, Le Bourget, twice World Aerobatic Champion, once in 1998, and 12 years later she came back in 2000 and repeated a performance, 10 times France National Champion. Catherine demonstrating despite the fact that she more regularly operates out of an office, so still lost nothing of the verve and skill which gave her two world championships. Catherine a commencé dans la vie par s'intéresser aux avions à cause de son papa, qui était médecin à Rennes et qui pilotait l'aéroclub de Rennes. Le papa a contaminé non seulement Catherine, mais ses deux frères qui sont devenus pilotes de ligne, tous les deux sur long courrier Air France. Catherine a commencé à voler très jeune et puis elle a fait des études de philosophie qu'elle a poussé fort loin et puis après elle a décidé que, qu'elle avait envie de voir le monde et que sa vie serait dans le ciel et donc elle est devenue hôtesse de l'air à Air France où elle a fait une carrière complète de chef de cabine, terminant comme chef de cabine principale. Mais en même temps, Catherine continuait de voler et de piloter en voltige. La voltige l'avait toujours motivée et donc à force de participer à des compétitions, elle avait gagné plusieurs championnats de France et en 1988, elle devint le premier pilote français de l'ère moderne à décrocher un titre de champion du monde au Canada, à Red Deer. 12 ans plus tard, alors que la voltige avait évolué, que les avions étaient devenus plus puissants, plus brutaux même, elle réitérait et en 2000, elle devenait championne du monde de voltige une seconde fois en Espagne, après avoir ramassé entre-temps des tas de titres européens et nationaux. Et puis donc Catherine est depuis l'an passé maintenant directeur du musée de l'air et de l'espace du Bourget. Le musée de l'air et de l'espace, c'est comme le salon du Bourget, sauf que c'est ouvert tous les jours. C'est toute l'histoire de l'aviation française et mondiale qui s'y trouve. De par ses collections, c'est véritablement l'un des plus beaux. On ne va pas dire le plus beau, ça vexerait les autres, et d'ailleurs ça ne serait pas vrai, mais il y a très peu de musées dans le monde à ce niveau-là. Évidemment, on pense au fabuleux NASM de Washington, on pense aussi à... On pense aussi à ce qu'il y a en Grande-Bretagne, par exemple à Duxford, où il y a des collections phénoménales. Mais le musée de l'air et de l'espace du Bourget a ceci de particulier qu'il est très très complet en matière de couverture des débuts de l'aviation, de l'âge héroïque du vol, et cela bien avant les avions, puisque c'est un musée où on trouve des éléments qui nous viennent du 18e siècle et de l'époque où on volait en ballon, c'est-à-dire en imitant les... Catherine Monnery flying an extra 330 unlimited aerobatic plane. Here on her flight overalls is the name of the Air Museum at Paris. Outstanding collection, a unique collection going back to the 18th century and the start of, literally the start of flying with balloons. The museum here has a collection which is open to the public every day. Paris Air Show is a window once every 2 years. The museum itself is a window, a classroom in fact, open every day where one can look at some a vast range of unique exhibits and well worth the visit. Le 49e Salon du Bourget s'achève et vous savez que cette semaine a été extraordinaire au niveau de certaines annonces. On peut revenir rapidement sur certains résultats pendant que Madame la Directrice ramène son extra 330. Je vous rappelle qu'Airbus a annoncé des commandes records, 700 machines vendues. L'an prochain, Airbus passera, ne serait-ce que pour la famille des Airbus A320, passera à des cadences de production jamais vues dans l'histoire de l'aviation. 42 avions tous les mois, autrement dit 2 avions de ligne par jour ouvrable. Pour vous donner une idée, une comparaison, un avion de ligne comme un Airbus 320, ça représente à peu près 800 000 lecteurs de DVD au plan de son équivalent financier. Autrement dit, tous les jours de la semaine, à partir de l'an prochain, Airbus produira chaque jour l'équivalent
moins d'un million 600 000 lecteurs de DVD que nous importons souvent de pays venus fort loin du sud-est asiatique en particulier. Mais Airbus n'est pas seul au monde. Boeing nous a amené le 787 dont les premiers exemplaires vont être livrés cet été et à la fin de l'été probablement. Et plus de 800 de ces machines sont d'ores et déjà commandées. Et le compte va bien sûr continuer.